Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue Salut. Dans PSVR, votre émission sur la VR avec PlayStation. Merci aux rails de PlayStation, c'est toujours très sympa. Ce soir, bien sûr, nous avons Max Hildan autour du bureau. Oui. C'est un habitué de l'émission. Comment ça va, Max Hildan? Ça va très bien. Hâte de voir notre invité sur le jeu à la petite balle blanche. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'invité, accueillons-le, le French Bear Bear. Est-ce qu'il est là, Jiraya? Oh là là, incroyable! Jiraya avec un autre bonnet. Aujourd'hui, vous le savez, on va jouer à deux jeux comme d'habitude, Jiraya. On va jouer à Everybody's Golf VR. Et en second temps, on jouera à un autre jeu, un jeu de course. On s'est dit, bon, Gigi, les voitures. Ce sera Gran Turismo Sport. Il y a un mode VR dessus, c'est des expériences VR. On va jouer un petit peu à tout ça. Je vous propose de commencer avec quelques news, mesdames et messieurs. Jungle, c'est parti. On va vous rappeler en premier lieu les quelques promos qu'il y a en ce moment sur le PS Store. On a notamment Borderlands 2 en VR qui est à 24,99€ au lieu de 44,95€. Tout de même, c'est presque du 50%. On a Blood and Truth aussi qu'on avait testé, oui. C'était avec Link. Ce sera 19,99€ au lieu de 39,99€. On a Astrobot Rescue Mission aussi qui passe à 17,99€ au lieu de 39,99€. On a aussi Moss que j'avais fait aussi avec Link pour le coup. Oh, excellent. On incarne une petite souris à la Stuart Little et c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est un bon jeu pour t'initier à la VR en douceur parce que tu es le dieu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois tout au-dessus et j'ai vraiment adoré le jeu. Il est vraiment bien foutu. Et le conseil. Bah écoutez, si j'ai le conseil, c'est que c'est forcément un bon cru. Et sachez qu'il est à 17,99€ au lieu de 29,99€. Donc c'est quand même tout bon. Pas de pain. Exactement. It doesn't eat bread, like they said in English. On va continuer avec autre chose, mesdames et messieurs. On va vous parler un petit peu des jeux qui ont été annoncés et qui sont sortis. On a notamment un jeu qui s'appelle Freediver Triton Down. Alors c'est un peu. C'est costaud en termes de naming. Ouais, voilà. Il faut être assis pour le prononcer. C'est Cyprien qui a proposé. On l'embrasse bien évidemment. Depuis le 25 février 2020, c'est un jeu qui est disponible, mesdames et messieurs, et c'est un jeu dans lequel on incarne un plongeur. Je vous propose de regarder un petit trailer pour voir ce que ça donne. Ça fait sens, free diving, situation. Sans douter. C'est parti. C'est pas parti. Alors, je peux vous faire le trailer peut-être. Ce non-confort à la piscine, des machines. Par exemple, moi, dans la piscine, quand j'étais petit, il y avait un énorme trou béant. Bienvenue dans la peur. Non, mais il y avait un broyeur. Vraiment, il y avait un trou béant qui faisait genre cette taille-là. C'est-à-dire qu'en gros, un humain peut littéralement passer dedans. Sauf qu'en fait, ce qu'on m'a expliqué plus tard... C'est que c'était ma belle-mère. C'est que ce trou béant pas ma belle-mère. Écoutez, peut-être que ce jeu pourra être une thérapie pour vous, mesdames et messieurs. On vous laisse regarder le trailer. Research log, day... I've lost track. We've been following this signal for 2 months now, leading my crew on a doomed expedition. We are so close to the source of the signal. Every expedition suffers setbacks. A class 3 storm blew in out of nowhere and... What now? Friend, I hope you can hear me. Given the order to abandon trip. Get out of there, Ren! Get out now! You must live. Free Diver, mesdames et messieurs, donc ça fait un petit peu survival horror, ambiance un petit peu, comment dire, étouffante. C'est déjà disponible sur le PlayStation Store depuis le 25 février. On va parler d'autre chose, c'est un jeu qui s'appelle Throw Anything, donc jeter tout ce qui vous passe par la main. L'objectif du jeu est de lancer tous les objets possibles et disponibles dans les différents stages pour se défendre d'une invasion de zombies. On vous propose de mater aussi le trailer pour vous rendre compte un peu à quoi ça peut ressembler. We'll be right back.
Voilà. C'est littéralement une simulation de je te marche sur la main quand tu essaies de remonter la falaise. J'avoue que le système de prendre des objets et de les jeter sur verre, je trouve ça hyper satisfaisant. Ça c'est peut-être que moi, tu vois, mais j'aime beaucoup ce genre de truc. Bon, écoutez, on a assez parlé, je pense on va jouer un petit peu puisque ce soir on a quand même deux gros mastodontes. Plaisir. On va jouer à Everybody's Golf VR, mais avant jingle quand même. La fin était un peu oppressante. Oh, c'est violent, mais je suis dans le golf. Voilà. La praline. Oh, la praline. Mais en fait, je joue sur les rebonds parce que c'est dans les règles, les règles japonaises du jeu. Wow. Bah là, au moins, après, t'es je connais très peu de golfeurs qui jouent comme ça. Écoute, tu peux faire comme tu veux, hein. Mais... ouais, je sais bien. Parcours, on est parti. Bah écoutez, les gars, je vais essayer de vous proposer le meilleur du parcours de golf. Et je voudrais dédicacer tout ce que je veux faire à mon ami Yann, Code Jordan 23, qui est un des plus mauvais joueurs de golf que j'ai jamais vu de ma vie. Quand il a su que je faisais l'émission, il m'a dit: oh, mais ça dégoûte, moi aussi, j'adore ça. Pourquoi je suis pas invité et tout? J'ai dit: bah, parce que. Il faut du rich, Yann. Quel énorme bâtard. C'est une blague. Non. Mon pote. Ah, oh, pas trop mal. Non, je pense même qu'elle est iconique, celle-là, je pense. On est à 10 yards, donc il faut tout simplement mettre un missile. C'est un beau missile. C'est pas un missile qui détruit des pays, mais c'est un beau missile. C'est... oh, oh, c'est... attention, il y a du sable. Voilà. Il y a eu une petite dinguerie de ma part. Ouais, c'est... non, je fais un test hein, pour l'instant. Et là, c'est parti. Appuyer. Non, c'est... Ouais, je sais. Et bah écoutez, les gars, je vais essayer de vous proposer le meilleur du parcours de golf. Non, c'est normal. C'est vraiment, déjà, en fait, il faut savoir que c'est très très mal de jouer en plein cagnard. Donc je me suis mis à l'ombre de l'arbre. Mais je suis en face, du coup. Mais non, t'es un peu désactivé. Mais okay. Oh, c'est dedans. Trop chaud, gros. Alors. Comme ça. Oh, dommage. C'est magnifique. Bon, c'est cuit. Comment, ah oui, d'accord. Ça, c'est si beau. T'étais, tu vois, c'était si magnifique que la meuf a fait: arrête, j'en peux plus. Alors, tu veux bon ma photo? Allons-y. Elle veut faire ma connaissance. She wants the club. She wants the drive. Oh, what a putter. Oh, God. Birdie. T'as l'avantage d'avoir vu Gigi sur les mêmes trous, qui oui. C'est rare. Et passer après moi, c'est pas évident. C'est vrai que ouais. J'ai vu Gigi sur les mêmes trous. Et vous me croyez pas, c'est mieux quand on est dedans. Là, je l'ai dans le casque. Les gars, je suis désolé, mais ce soir, c'était une évidence. Ce soir, les trous vont être comblé si je puis pas. Ah oui, bien sûr. Non, mais il triche. Tu fais le pas. Désolé, mais je suis en gros. Il triche. Chaud, Triche, en gros, genre. J'adore ce jeu. On va jouer à Gran Turismo. C'est parti pour Hugo, mesdames et messieurs. Hugo, donc un des plus grands joueurs français. On le rappelle encore une fois, il a été nommé à la Tattoo Game Cup au Brésil. Bon, moi, je fais la technique pipi, hein, mais. Ah ouais, mais gros. Ça tourne à gauche. On dirait tellement. C'est magnifique. Au fait, tu viens d'avoir une idée. Tu souhaites atteindre le prochain trou plus vite? Oui. Oui, j'ai vraiment envie d'atteindre ton prochain trou. Stop, arrête tout de suite ton activité. Pas de carte bleue, pas de foutaise. Oh, non, retiens-toi. Mais il va tomber.
Il est juste derrière toi, tu le vois dans ton rétro à ta gauche, ne te laisse pas. Non, non, qu'est-ce qu'il t'a, attention. Arrête, tu perds le pop-up de son véhicule. C'est bon, c'est bon. Tu changes ses vomis, hein. Bah, je pense que c'est ça, non. Higher on the street. Là, il va falloir gérer, voilà, au niveau du trip, c'est ici. C'est là, voilà. Je vais vous régaler avec une première place. Il y a pas de t'as fait une très belle course. Hein. Coup, je te dis, je ne sais pas animer, mais j'essaye d'avoir un. On l'a vu, on a arrêté de parler quelques instants. T'as laissé parler le bitume. Ah, je suis là pour ça. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Merci à toi, merci à toi pour cette petite émission. C'était très sympa. Encore une fois, merci à PlayStation. Et on se retrouve dès demain pour la suite des programmes. Et vive le PSVR. J'adore le PSVR.